Parce que tu crois que je suis tellement stupide. Tu refuses que j'appelle. Bam, quand tu appelles. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Salut, salut la famille, une fois de plus, bonjour. Aujourd'hui, je viens avec un prank très spécial et très court d'ailleurs, vu l'état de santé de Trésor. Le prank consiste à faire quoi? Aujourd'hui, je vais demander à mon ami de m'envoyer un message. Mais avant de m'envoyer un message, il va changer la photo de son profil en celui d'une fille. Et dans ce message, il va dire, la rentrée scolaire est proche, il faudrait penser à envoyer l'argent de la pension de ton enfant. Et ensemble, on va voir la réaction de Trésor. Alors la famille... Trésor vient de sortir, elle est allée aux toilettes. Je vais profiter, je vais lancer. Alors, restez scotché. Tout à l'heure. Je veux que tu aies aux toilettes. Aux toilettes, c'est comme quoi tu as envie d'accoucher ce malade, mon frère. C'est la magie. Fais la tasse. Yo, après, grave. Pardon. Il prend un truc en bas là. Pardon, garde-moi la pizza. La pizza, tout le temps la pizza. Tu vas pas te constiper. Non. Tu vas pas enlever la pizza. Ça va, ils ont un magot ouvert. On dirait comme ça. J'ai essayé d'allumer, ça ne s'allume pas. C'est bon, je vois. Tu viens le verre. J'ai pas envie de manger. Comment ça? Tu vas me manger, c'est le verre que tu vas mettre. J'ai pas envoyé un message. Pas regarder. Tu dis? Je t'ai envoyé un message. Je vais regarder une photo. Photo de quoi? Regarde la photo que je t'ai envoyée, non? Je sors ça. Je sors le message. Ça sort d'où? Donc, je ne remarque que les gens qui sont. Vraiment,
Ça sort d'où? Ça sort d'où? Comment tu ne remarques plus les gens qui sont dans ton téléphone? Là, là tu m'envoies une capture d'écran, tu m'envoies. Hey, tu veux dire quoi? Tu ne remarques pas tes contacts. Quel contact? Quel contact ici? Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, il va se m'en attendre. Ça sort d'où? Ça te ridiculise même. Tu ne remarques pas la personne. Je ne connais pas la personne. Nicole, c'est qui d'abord? C'est qui? C'est qui elle? C'est toi qui m'envoie quelque chose, tu dis que je connais la personne, c'est qui? Tu fais ça même comment? La personne, c'est qui? Quand tu m'envoies une capture, tu me dis que je vois que la personne, c'est qui? C'est qui? C'est qui alors? Finalement, je ne comprends pas. Donc, ce que je vois, ça se passe chez les gens. Ça vient se passer chez moi. Tu parles de quoi même? Parce que je suis en train de te faire confiance. Tu parles de quoi? Ok. Tu parles de quoi? Je ne me suis même pas d'abord levé de bonne humeur. Toi, tu viens, tu me dis que tu parles de quoi? Pourtant, tu sais très bien à qui. Qui? Qui je a sais envoyé pas. Ce message? Qui? Tu parles de qui? Ok. Je ne connais pas de qui tu parles. Moi, je ne connais pas personne. Tu n'as même pas honte. Et que je ne connais pas la personne, ok. Tu es obligé de dire que tu connais quelqu'un que tu ne connais pas. Tu n'as pas la magie. Tu as besoin de se tromper, ma mère. C'est quel message? Non, elle te dit, ouais, je ne connais pas moi la personne. Tu as besoin de se tromper sur un d'envoyer ça. Moi, je ne connais pas la personne. Donc les photos que tu me montres, tu me dis que c'est l'enfant de Serge. Ce sont tes enfants, n'est-ce pas? Les enfants comment? Serge au Cameroun. Je fais quoi avec. Je suis ici ou bien je suis au Cameroun. Elle parle de quel enfant? Je ne sais pas. La personne peut être à confondre le numéro, la personne envoyée. Je ne sais pas de qui elle parle. Je ne connais jamais la personne ici. C'est une confusion. Okay. Tu vois qu'il peut faire ce genre de choses. Il y a le temps pour ça. C'est ce que je croyais, que tu ne pouvais pas faire ce genre de choses. Est-ce que j'ai le temps pour ça? J'ai le temps pour ça. La personne au Cameroun, je suis à Dubaï, il fait comment? Quand la personne confond juste. Et la personne prend ton numéro où? Tout le monde a mon numéro. Même peut-être sur les réseaux sociaux, il y a peut-être des groupes qui créent par rapport au travail, par rapport à tout ça. C'est possible. Parce que tu crois que je suis tellement stupide. Qui t'a fait de stupide, mon frère? Pardon, quand tu me vois comme ça, ne commence pas à rajouter en parlant jusqu'à tu hausses le ton, là, parce que ça continue à m'énerver. Qui a de hausser le ton? Il y a une chose qui est simple, mon frère. Tu parles de trucs que je ne comprends pas. Tu appelles mon numéro. Mon numéro se trouve partout. Il y a un peu pas mon numéro n'importe où. Même à travers mon business, il y a mon numéro. Tu as besoin de dire au Cameroun, je suis au Cameroun, Tu vois combien de temps que je suis au Cameroun? Tu vois des choses, mais je me demandais, même quand tu parles, tu as une conclusion sans me demander mon avis. Ça me dit même, ça me laisse le temps de m'exprimer. Pardon, quand tu fais ça, tu m'énerves. Tu ne peux pas me demander de m'exprimer, avant que tu aies une conclusion. Tu vois, quoi qui va se passer, tu dois seulement prendre ça au dernier degré. Les gens font des choses comme ça. Oh putain. C'est même qui, même, non, mon frère? Ça, c'est même qui, ça, même. Ça, c'est même qui. Quel genre de message, ça? Appelle la personne. Ça, c'est même qui donne, ça. Donne-moi, j'appelle la personne. Hey! Tu comprends pas ce que j'ai dit? Tous les numéros qui existent aux yeux, ce n'est que mon numéro. Attends, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Hein? Tu comprends pas ce que je suis en train de parler. Tu en train de dire quoi? Donne-moi, j'appelle la personne. Pourquoi tu veux pas me donner? Attends, je vois le numéro, je vais réfléchir. Mais donne, si tu ne connais pas, donne, j'appelle, non. Donne, j'appelle la personne, non. Aïe. Tu fais ça comment? Laisse-moi vérifier. Tu vois, tu sais que c'est qui? Tu appelles quelqu'un, c'est un numéro des sorciers. Tu appelles des fantômes. Tu appelles, tu sais pas, c'est bien quoi? Laisse-moi faire mes antennes moi-même. J'espère que tu es en train de me prinquer. Tu parles de quoi? J'espère que tu es en train de me prinquer. Et puis je regarde, je ne vois pas où est-ce que tu as mis la caméra. J'espère que tu es en train de me prinquer. Hey.
Tu refuses de me donner. Tu refuses que j'appelle. Prends, tu appelles. Laisse-moi, je m'appelle. Ça va. C'est le point, moi là-bas. Ouais, laisse-moi. Et c'est qui alors qui t'a envoyé ça? C'est mon ami Alex, voilà. Moi, je ne veux même plus qu'il vienne ici. Bébé, oh, donc bébé, tu oh, lui demandes de faire des petits comme ça. Oh, oh, Asia B. Ouais, j'aime, laisse-moi le matin quand ouh, le matin, tu me mets dans la table. Table. Oh là 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 là. Bébé, elle est tombée. Moi, je te fais les petits. Princesse, elle est tombée. Elle est tombée comme boudou. Bébé, tu as bien. Bébé, réveille-toi, tiens, on va t'amener. T'as mis pleurer. Tu as mis la caméra haut. Waouh. 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 Oui, oh, oh, oh. Non, j'ai compris que c'est un prénom. Oui, alors, ouvre là-bas. Ça va? Oui. Tu fais quoi? Donne-moi mes trucs que je mange, je mange. Mais tu l'avais dit. Oh, oh, comme ça, tu as un peu là. Ça va, donne-moi mes trucs que je mangeais. Maintenant, je veux la pizza. La pizza est venue maintenant. Non, je veux la pizza. Je veux la pizza. Je veux la pizza. On va m'acheter la pizza maintenant. Non, on va m'acheter la pizza. Oui. Elle veut t'acheter la pizza. Mais elle rit un peu. Accepte que tu es tombé. Accepte d'abord que tu es tombé. Accepte que tu es tombé. Ça veut dire que tu as mis la caméra lourde. Oh, oh mon Dieu, non, c'est pas possible. Ça, c'est un point légendaire. Est-ce un prêt? C'est mon baiser le soir. Ah, j'ai la caméra ici. Il y a la caméra. Waouh, 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 la famille. Oh là là, tu dois être tombé. Même c'est comme même si j'ai pas. Waouh, on ne comprend même pas. Waouh, la famille, pardon. Vous me souvenez? La famille, ce fut un plaisir. Papa dit bonjour à la famille ici. Regarde, tu me fais, tu portes ton habit. Tu vois quand tu veux me prinquer. Viens dire bonjour à la famille ici. Tu changes ton regard, tu me fais habiller. On ne dit pas quand on veut prinquer. Viens dire bonjour là-bas. Ouais. Ah, mais regardez, regardez. Regardez les larmes de traître. Non, je ne veux pas parler devant la caméra. Là-bas. La famille, la team tempo est toujours en avance. C'est la magie. C'est la magie. Oh, 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 oh. Ça va, attends, je m'assois. Voilà. C'est pas encore fini. La famille a accepté une fois de plus. Trésor est tombé sans glisser. Est tombé sans parachute. Même la princesse a confirmé. C'est la magie. Dans le ventre, elle fait que. Elle est contente. Quand moi, je te prends, je fais pas le genre. On, le prank égale au prank. Le prank égale au prank. Alors, la famille, ce fut un plaisir. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Et si vous avez vu jusqu'à la fin, n'oubliez pas le mot d'ordre. Vous mettez. L'émoticône d'une petite princesse. L'émoticône. Elle va comprendre. Dans le ventre là, elle sourit. Elle sourit, elle est contente. Elle est radieuse ce matin. Depuis ce matin, il a vu elle est radieuse. Je dis, bon, il faudrait qu'on puisse augmenter un peu, on argumente un peu. Tu sais aussi qu'elle est contente. Elle est très contente. Et quand tu prends sa mère comme ça, elle est encore plus heureuse. Parce qu'elle veut voir la joie, la force de frappe de sa mère, de son père, je veux dire. Bon, les gars. Je veux la pizza. La pizza arrive tout à l'heure. Comment la pizza arrive? Les gars, aimez, partagez au maximum. Et surtout, abonnez-vous. Pas de bêtises. Bye. Je ne suis pas fâchée.